L'action pacifique des Algériens pour le changement démocratique s'est inscrite dans la durée. Elle s'organise, chouïa, tout doucement, 3 mois de protestation, de détermination, de mobilisation et de khawa, mais surtout de silmia. La contestation qui a débuté il y a 3 mois, donc en Algérie, ne fléchit pas, malgré le jeûne du Ramadan, malgré la chaleur. Sur lesquels les autorités comptaient pour un retour à l'ordre. Les rassemblements hebdomadaires des étudiants chaque mardi et de la population chaque vendredi réclament sans faiblir le départ du régime, de tout le régime, de ses symboles, et aspirent à une vraie transition à la tête du pays. Alors que cela fait plus d'un mois et demi que Bouteflika est tombé sous la protestation populaire, les étudiants continuent de manifester et ne veulent pas abandonner. D'un autre côté, et dans un nouveau discours, le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, a opposé hier lundi et ce matin aussi, mardi, un refus catégorique aux revendications majeures du peuple algérien. La rue rejette les présidentielles et exige le départ de tout le système. Gaïd Salah décide ainsi et définitivement donc le choix de se dresser contre le peuple. Algérie, Gaïd Salah contre le peuple, donc c'est l'émission de notre aujourd'hui, c'est le titre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau notre ami Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin, bonsoir Azoul, marhaba bik. Bonsoir Azoul, salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation. Wa alaikum salam. Merci Ramadan, ça va ça? Ah, magnifique. Ramadan, c'est la période où je suis le plus zen, le plus calme, le plus heureux et. Ah bah tant mieux, alhamdoulilah. Avec nous aussi, Fatih Tetouche, militant politique. Je ne sais pas, est-ce qu'il est avec nous ou pas encore? Mazel. Avec nous aussi, Larbi Zouaimia, analyste politique. Monsieur Zouaimia, bonsoir, la salama. Ahlan, salamu alaykum, Mazel Filaoud. Azoul, marahba bik. Saïd Aknin, je ne commencerai pas par Gaïd Salah, je pense, parce que pour rendre hommage justement à cette jeunesse qui est dans la rue, depuis maintenant 3 mois, chaque mardi, ils sont là et revendiquent la même chose que tout le peuple algérien, et qui sont là-bas, qui sont ici d'ailleurs à l'étranger, le départ de tout le système. On en arrivera justement au discours de Gaïd Salah. Vous savez, la jeunesse est la locomotive de l'histoire. C'est le cœur battant, al-qalb nabid, de ce qui est en train de se passer en Algérie. Et regardez, en fait, c'est cette jeunesse qui, dans sa majorité, dans sa globalité, a été marginalisée. Juste un certain nombre de statistiques pour comprendre un peu ce que subit cette jeunesse. Oui. Et 30% des jeunes sont au chômage. 500 000 jeunes sortent chaque année des circuits de l'insertion sociale. 95% de ceux qui furent assassinés dans la décennie rouge sont jeunes. C'est un pays qui est composé de 75% de jeunesse, dont la gérontocratie occupe pratiquement tous les postes de responsabilité. Donc cette jeunesse, aujourd'hui, elle se réapproprie, tout comme le reste de la société, ce que nous avons appelé la reprise historique. Elle s'approprie son destin, elle se réapproprie l'espace public, elle se réapproprie un certain nombre de choses. Et ça, ça contredit le discours officiel qui disait, qui faisait miroiter qu'ils ont maillé la société à travers un certain nombre d'organisations de jeunesse satellites, à l'exemple de l'UNIA, à l'exemple d'autres. L'UGEL. Oui, toutes ces organisations fantoches. Hein, qui sont de la même nature que les 6 millions d'estimarats qu'ils ont ramenés pour le Moutahannet. Vous voyez un peu la schizophrénie de ce. Effectivement, cette jeunesse, il faut lui rendre hommage. Nous sommes le 21, le 19 mai 56. 19 mai 56, les jeunes et les étudiants sont sortis, ils ont rejoint les maquis pour dire que voici, pour faire déjouer l'une des propagandes de l'État colonial. Et voici une priorité de l'instant, surtout.
Exactement. Mmh. Disant, voici à quoi serviront nos diplômes si le pays est colonisé. Mmh. Aujourd'hui, moi, je crois que j'ai lu une pancarte, la même chose, en disant, à quoi servirait, et ça, je crois que c'est à Constantine, et c'est un enseignant de Constantine dans un amphithéâtre qu'il disait à ses étudiants, et cette vidéo, elle a fait vraiment le tour des... Devenu viral, oui. Oui, exactement. Et il disait, à quoi serviraient nos diplômes si le pays va vers, vers le chaos. Vous voyez un peu, c'est deux contextes différents, deux temps différents, mais la même phrase et le même état d'esprit de ceux qui gouvernent le pays, c'est-à-dire le peuple leur appartient. Et pourtant, ce n'est pas le même adversaire, ça. La mentalité est la même. Les mécanismes de fonctionnement de l'État colonial et de ceux qui se sont succédés depuis l'indépendance à aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont jamais considéré le peuple comme une entité qui pouvait réfléchir, comme une entité qui pouvait construire son destin, mais ils l'ont toujours infantilisé. Regardez la dernière lettre. Et là, je vais bifurquer sur la dernière lettre de... Parce qu'à un certain moment, ils ont mis le débat public sous perfusion de l'état de santé de Bouteflika. Oui. Maintenant que Bouteflika n'est plus là, on met le débat public sous perfusion des lettres de Gaïd Salah. Regardez la dernière lettre de Gaïd Salah, où il disait maintenant, avec un langage condescendant, avec un langage infériorisant le peuple, maintenant il faut que vous désigniez vos représentants. Comme si on l'avait attendu... Pour qu'il va, mais je vais revenir à cette lettre qui n'en est pas une, va revenir. Mais pour finir, oui. Aucun peuple, aucune jeunesse n'a fait ce que la jeunesse algérienne est en train de faire. Regardez les images d'aujourd'hui et regardez les symboliques. La semaine dernière, le mardi dernier, on a empêché à cette jeunesse d'accéder à Al-Barid de Markazi. Ils l'ont fait et c'est symbolique. Aujourd'hui, ils ont utilisé des moyens d'oppression incroyables. Féroce, oui. Incroyables. Et des méthodes féroces, des méthodes animales, des méthodes de guerre. Et ce ne sont pas des méthodes de maintien de l'ordre, mais des méthodes de violence volontaire. Justement, Saïd, parlons de la violence, on a quelques images à montrer justement à nos téléspectateurs et on revient. L'Arbie Zouaïmia, vous avez peut-être regardé ces images qui sont devenues virales justement depuis ce matin, des étudiants qui se font tabasser à Alger, un peu partout en Algérie. Hein. On a eu des images de Tlemcen, d'Annaba, de Constantine aussi, à Tizi Ouzou, à Bidjaya, Bouira, enfin des étudiants sont sortis un peu partout en Algérie. Et déjà, enfin tout d'abord pour répondre à Gaïd Salah et son discours d'hier et celui d'aujourd'hui, pour ne rien dire bien sûr, à part maintenir les élections, et son plan de sortie de crise, comme il le voyait lui-même.
Mais les étudiants étaient là. Vous les avez entendus crier ou scander « Hnaya Tolab, Machi Irhab ». Je n'ai pas vu des images, je vous en prie. Mais j'ai vu tout à l'heure des images. Moi, ce que je dis, c'est que les étudiants ont le droit de manifester, c'est le principe. Parce que la vie étudiante elle-même, l'université elle-même a été détruite, a été démolie. Oui. Donc, c'est une université qui est à l'arrêt. Le système universitaire et scolaire est vraiment dans une situation calamiteuse, ravage. Ça, c'est le constat. Bon, les étudiants font partie de cette population, ils sont majoritaires. Déjà, ils sont majoritaires. Donc. Et nous voyons toujours des pièces d'archéologie en train de diriger. Monsieur Zouaimia, excusez-moi, mais on a un petit problème, je pense, au niveau du son. On va revenir à monsieur Zouaimia. Fatah Tetouche est avec nous. Fatah Tetouche, bonsoir, Azoul. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ton invité, Saïd. Bonsoir, marhababik Fatah. Fatah, la même question justement concernant les étudiants qui sont sortis encore une fois aujourd'hui. C'est un mardi, donc c'est un mardi étudiant à maintenant en Algérie depuis le 22 février. Ils sont là pour dire non à ce système, non justement, surtout aux propositions de Gaïd Salah et à ces deux lettres, celles d'hier et celle de ce matin. Alors, permets-moi, Hussein, de dire d'abord de saluer les étudiants, nos étudiants qui sont en réalité le cœur battant de cette révolution et le cerveau de la nation. Les étudiants montrent une très grande maturité politique. Je crois qu'ils ont compris aussi qu'il s'agit là d'un enjeu majeur, il s'agit de leur avenir, il s'agit de leur pays, il s'agit de l'avenir aussi des générations à venir. Ils le montrent chaque mardi, ils permettent à cette révolution de respirer, ils lui donnent en fait une fraîcheur dont elle a besoin. Et quant à Gaïd Salah, je crois qu'on pourra revenir sur sa lettre, je crois qu'il fait montre d'une grande inculture politique. Il confond sa personne avec l'État, sa personne avec le peuple, sa personne avec l'institution militaire. On pourra revenir en détail sur tous les éléments en fait de sa lettre où il y a aussi de graves accusations, de graves dérapages en fait dans la lettre qu'il a adressée. D'ailleurs, je ne sais pas à qui il a adressé la lettre. Merci, Fatah Tetouche. Restez avec nous. Ma'ana Issam Al-Khdari, talib jami'i min jami'at Telmsan. Issam, marhaba bik. Issam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, Issam. Marhaba bik, la jazik. Marhaba jami'a dhoyouf ladhi hum fil Faisla. Marhaba bi mushahidin qanan gharibiyya. شكرا. عصام الخضاري، إذن أنت طالب جامعي في تلمسان، اليوم مشيتوا بتلمسان يعني تمشيوا في كل مرة مثل كل طلبة يعني باقي الطلبة الجزائريين، احكينا واش صار اليوم وكيف كيفاش كان يعني أنت قلت لي من قبيل يعني أنه كان هذا بمثابة جواب أيضا لقايد صالح اللي تكلم أمس واليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنا كطلبة في ولاية تلمسان المسيرة متواصلة مثل ما بدأت في يومنا الأول بنفس القوة والزخم الذي عرفته في المسيرة الماضية بنفس المطالب المعروفة رحيل رموز النظام السابق ومحاسبة الفاسدين ودخول في مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية أو مجلس رئاسي يحظى بإجماع جميع الجزائريين ثم نذهب إلى حكومة توافقية مكونة من كفاءات قيادة المرحلة الانتقالية. نحن طلبة ولاية تلمسان يعني فيما يخص الشرطة لم نتعرض إلى أي قمع على غرار زملائنا الطلبة في ولاية الجزائر العاصمة اللي تعرضوا للقمع حاولت الشرطة أن تمنعهم من عبور بعض المناطق أو الوصول إلى الدرج المركزي.
عصام، جوستومون، ما هي الرساله نتاع طلبه اليوم عندما يعني تسمعوا ولا تقراوا تصريحات نتاع قايد صالح ويقول بانه طلبه ولا حتى رئيس الدوله، يعني شفنا اول امس بمناسبه عيد الطالب قال انه الطالب لازم يكون في الجامعه ولازم يطلب العلم ولازم يحرص على هذه المهمه فقط، كانهم يعني يريدون للطالب ان يكون في الجامعه ويعني يخطي كاع السياسه. نعم نعم والله هذا كلام مضحك، كلام مضحك. يعني عندما ننظر للتاريخ، ننظر في تاريخنا الوطني الحافل، نرى بأن الطلبة هم الذين كانوا في الريادة، كانوا في الريادة لمقاومة المحتل والمستعمر الفرنسي، كانوا في الريادة وكانوا هم الصداقين يعني في مكافحة الاستعمار. نحن على أيام على نفحات عيد الوطني للطلبة، يعني لو نتذكر قليلا في سنة 1956 حينما ترك الطلبة مقاعد الدراسة وترك الجامعات وتوجه إلى الجبال لمكافحة الاستعمار الفرنسي. يعني الأمس شبيه باليوم، والاستعمار الفرنسي أخرجه أجدادنا المجاهدين بسلاح، وما زال هنالك جذور الاستعمار الجزائري التي تستوجب من الطلبة أن يخرجوه بالمظاهرات السلمية ويخرجوه بالعلم إن شاء الله. يعني نحن كطلبة ننظر إلى خطاب القائد صالح بالأمس بأنه مماطلة وعدم الخضوع إلى مطالب الشعبية، وأنه يعني نقولها بالعامية يعني يتمسخر بالشعب الجزائري ويتمسخر بالطالب الجزائري، ولا يريد الخضوع إلى مطالبه التي هي رحيل الباءات، رحيل رئيس الدولة. لا نريد بقايا بوتفليقة، لا نريد رؤوس النظام السابق، لا نريد بن صالح، لا نريد بدوي، لا نريد حكومة بدوي. إذا كان رئيس الأركان وهو بنفسه سماها العصابة، إذا كانت هذه العصابة هي التي عينت الحكومة المؤقتة، إذا كانت العصابة هي التي أخطت الدستور وأخطه سعيد بوتفليقة بختم الرئيس، إذا لماذا يخاف وزير، لماذا يخاف نائب وزير الدفاع بأن يخرق الدستور أو نذهب في فراغ دستوري؟ الدستور شكلته العصابة، شكله سعيد بوتفليقة الذي هو بتهمة الفساد الآن، بتهمة الخيانة العظمى في المحكمة العسكرية. لماذا يخاف القائد صالح بالذهاب إلى فراغ دستوري؟ نحن نقول ونطالب القائد صالح، لديك يعني ليس لديك متسع من الوقت. الطلبة ممكن أنهم ينقلبوا عليك، ممكن أنهم يرفعوا شعارات ضدك ورفعوها، وممكن يرفعوها في المسيرات القادمة إن شاء الله. نطالب القائد صالح ب تنحية الباءات المتبقية، تنحية بن صالح، تنحية الحكومة، تنحية بدوي. يعني نقول وماذا عن قايد صالح هو بذاته؟ القايد صالح، نعطيك مثال أخي حسين. نعم. القايد صالح نحن نقول له عدوي هو صديقي. نحن نستفيد من القايد صالح قدر المستطاع، نستفيد منه الماكسيموم، محاسبة الفاسدين، ممكن في الأيام القادمة تأجيل انتخابات اللي كان لم يشير إلى تاريخ الانتخابات الذي هو 4 جويلية، ممكن نعم. انتخابات تتأجل، ممكن نستفاد منه أيضا من الحوارات الذي قال الحوار بين ممثلي الحراك الرموز. وعصام أنتم طلبة، ما محلكم من الإعراب جستم من هذا التوقيت ومن هذا الرزنامات؟ يعني نعم نحن نقوم بندوات سياسية، وممكن نكون من ممثلي الحراك، لما لا؟ ممكن يكون طالب أو اثنين عن كل ولاية يمثلوا الحراك ويذهبون إلى التحاور مع رموز سياسية أخرى وشخصيات سياسية والرموز المعروفة من الرموز التي تلقى إجماع المجتمع الجزائري. ممكن نكون ممثلين للحراك، احنا يرانا في الحراك الطلاب يوم الثلاثاء وفي الحراك يوم الجمعة. شكرا عصام الخضاري، طالب جامعي كنت معنا من تلمسان، يعطيك الصحة وصحة فطورك. Je pense qu'on a retrouvé encore une fois monsieur l'Arabi Zouaimia. Monsieur Zouaimia, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis avec vous, oui. Continuez alors, poursuivez votre analyse. Non, je dis que tout simplement les étudiants ont des manifestés, d'autant plus ils sont le plus touchés dans leur situation universitaire, scolaire et dans leur situation professionnelle. C'est tout, c'est un principe. دركا السيد كلمة تلمسان، ما فهمتهاش،
Parce que est-ce un problème d'État, du pays? Nous voulons des réponses de l'État, ce n'est pas une réponse fermière de rien du tout. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le plus important, c'est que ce Gaïd-Sagala cesse de s'immiscer dans les affaires politiques et cesse de faire des discours. S'il a des trucs comme ça, qu'il le dit tête à tête. C'est pas votre affaire. Mais à chaque fois, on essaie. Monsieur Zouaï, mais justement, depuis que les Algériens demandent ou s'adressent à Gaïd Salah en lui disant il faut cesser maintenant de faire la politique, puisque vous avez lui-même, d'ailleurs, les gens de l'armée ont toujours brandi ça, on ne fait pas de la politique, on ne fait pas de la politique. Mais maintenant, il fait deux fois justement de politique par semaine, il fait deux interventions, il fait généralement mardi, il fait mercredi ou lundi et mardi. Non, non, je pense qu'il a un problème de communication. Ils sont en train d'enlever certains partis et présenter d'autres. Je pense que c'est comme ça. De toute manière, la situation en Algérie devient problématique. Mouchkil Kbir. Les gens doivent bien faire la différence, la distinction. Les réponses de l'État, réponse Ejoui Betou ou Ejbiba, lacunaire et fragmentaire. Monsieur Zouaïmia, je suis vraiment désolé, mais on a un sérieux problème de son. Je vous laisse avec Mehdi. Je ne sais pas, j'espère qu'on va pouvoir quand même trouver une solution à ce petit problème technique. Saïd Akinin, je reviens vers vous. Les étudiants, parmi les slogans yani, qui ont été scandés aujourd'hui, on retrouve la Gaïd Ben Salah, la Gaïd la Ben Salah, kulhum ashab Masalih. Ces étudiants sont très conscients de ce qui se passe. C'est plus Le que... message est très clair. Par contre, les réponses du pouvoir ou les réponses de l'armée ne sont pas du tout claires. Comme disait Arab Fatah Tetouche, très flou. On a l'impression qu'il y a deux Gaïd Salah qui parlent en même temps. C'est pas flou. Ce n'est flou que pour ceux qui veulent être maintenus sous. Ou l'écouter. Je me rappelle. C'était le même contexte et à certains égards, le même brouillard qui a été installé dans la scène politique s'agissant la candidature au cinquième mandat ou non de candidature au cinquième mandat. Nous étions rares à dire, ne nous concentrons pas là-dessus, militants beaucoup plus. Qu'il y ait cinquième mandat, pas cinquième mandat, changement du système et le départ du régime. Voici la ligne directrice, et quand on part de là, nous avons une perspective qui n'est pas amoindrie par les réaménagements, les sauts d'humeur, que ce soit du commandement militaire ou autre. Les étudiants ne sont pas simplement conscients. Mais ils sont des génies incroyables, d'abord, du fait qu'ils ont déjoué tous les hawajiz, tous les barricades qu'on leur a mis pour pouvoir arriver au palais du gouvernement. Et en arrivant au palais du gouvernement, qu'est-ce qu'ils disaient? Hnaya ou l'entouma? Ça veut dire quoi? Maintenant, la problématique, elle est claire, soit c'est le régime, soit c'est le peuple. Il ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. En fait, la lecture à faire de ça, c'est qu'il n'y a pas de solution du régime. Il y a la solution du peuple, et la solution du peuple, elle est claire, c'est le départ du régime. Oui. Maintenant, revenons à celui qui était pour le cadre de la présidence. À un certain moment, le cinquième mandat, ce fut un cadre. Et Gaïd Salah, ça l'avait soutenu. Maintenant, il veut nous mettre dans le cadre de la dictature. Et le peuple, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu es hors cadre du peuple. D'autant plus que dans sa lettre, il nous parle, il nous dit, comme si le peuple refuse l'itarat, hein, les cadres, je ne sais pas, oui, on a refusé les cadres de Bouteflika, on refuse les cadres de la dictature. Mais me dire que Bdoui est un cadre, me dire que Ben Salah est un cadre, me dire que Ouyahia est un cadre, me dire que Sillal est un cadre, me dire que tous les agents du DRS
Sans cadre. Sans cadre. Me dire que tous les agents du régime sont cadres. Mais il faut arrêter d'insulter le peuple. S'ils étaient réellement cadres et qu'ils pouvaient réellement assumer leurs responsabilités, le peuple ne serait pas dans cette situation. Eh ben justement, restons sur le cas de Saïd. Oui, je vais revenir. On a l'impression que justement Gaïd Salah, quand il parle de toute cette feuille de route, il ne faut pas sortir de son cadre à lui. Exactement. En fait, Gaïd Salah, dans sa lettre, il y a quatre points. Quatre points, bien que dans sa lettre a scindé en deux. Il y a la feuille de route de Gaïd Salah, il y a la feuille de route du peuple. En deux. Exact, oui. Et puis dans sa lettre, il y a quatre points qui, me semble-t-il, qui dénotent. Un, le narcissisme de Gaïd Salah, qui confond, comme l'a dit Fatih tout à l'heure, et moi je l'ai dit il y a un mois de ça, quand il y avait la première lettre, et quand il s'adressait à Toufik, en disant à Toufik, quand Toufik, il mettait les gens en prison, il faisait disparaître des gens. Il a mis le pays hors cadre constitutionnel. Il a vidé le pays de tous ses cadres, de toutes ses compétences, de son argent. Il ne gênait pas Gaïd Salah. Gaïd Salah, il le soutenait à l'époque. Il le soutenait. Et quand Toufik a comploté contre Gaïd Salah, Gaïd Salah, il fait un communiqué où il dit « Tu as communiqué contre l'État. C'est toi l'État. » Tu vois un peu le narcissisme et un peu... Le cas un peu, c'est une pathologie un peu, moi je lui conseille de se soigner, Gaïd Salah. Hein. Il a reparlé encore une fois de l'Aïsaba hier, aujourd'hui. Oui, mais l'Aïsaba, ou Aoul Mine l'Aïsaba. Donc il ne faut pas, donc... Donc, dans les quatre éléments, il dit que la feuille de route du régime, il n'y aurait pas de changement du régime, mais un changement dans le régime. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Il ne peut y avoir de changement que des réformes dans le cadre du régime actuel. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, je vous ai débarrassé de l'Aïsaba. J'ai fait une lutte contre la corruption. Donc là, il y a une vente en concomitance. Je vais continuer cette lutte. C'est comme dans les années 90 quand ils ont créé les puneries. Tu vas acheter des lentilles, on te rajoute un sergouin. Tu vas acheter des biscuits, ils vont te rajouter des clous. Oui. Comme si les biscuits se mangeaient avec des clous. Ça, marbel gâteau. Donc cette fois-ci, il te dit, moi je vous ai débarrassé de l'Aïsaba, Toufik, je vous ai débarrassé de Toufik, Toufik Rab Dzaïr, Saïd Rab Arbab. Donc ce pays maintenant c'est moi. Ana houa el bled. Mais non, un erreur bizarre, c'est ça qu'il veut dire. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il le dit à vous de suivre maintenant ma feuille de route. C'est ça qu'il dit dans son discours. Et pour les représentants alors? Et oui, j'arrive aux représentants. Et en fait, quand il dit les représentants, d'ailleurs, il y a Tej et les FLN qui ont déjà soutenu élections, ainsi de suite. Quand il parle des représentants, des cadres, d'abord il parle des cadres de l'État, il ne faut pas dénigrer, je termine tout de suite, oui. Il ne faut pas dénigrer les cadres de l'État, ainsi de suite. Là, il faut créer une confusion. Personne n'a critiqué les cadres et les cadres supérieurs de l'État. Le peuple, il dit, Romouz Nidam, le leader aussi, le peuple va même un peu plus loin et plus précis en disant Rous al-Fasad. Al-Fasad, voici. Mais eux, lui, dans sa lettre, il crée une confusion. Ouais. Il veut avoir avec lui les cadres supérieurs, les cadres de l'État. Voici, c'est un petit jeu d'enfant, comme il est ignorant. Ça, je vais revenir. Oui. Je termine juste par rapport à veut contrôler. Quand il veut, à travers cette lettre, il veut contrôler les slogans, il veut contrôler le Hirak, et il veut s'approprier la révolution. Oui. Et quand aux intellectuels, il dit, il faut maintenant que vous désigniez vos représentants. Oui. Il veut juste avoir la même mise, y compris sur le représentant, y compris sur les slogans, y compris sur « voici ce que dit sa lettre ». En vrai, en gros, il cherche ceux qui vont accepter justement de négocier avec Ben Salah. Et moi, contrairement à ce qu'avait dit tout à l'heure notre étudiant, en disant l'ami conjoncturel, on ne peut pas faire du loup un ami.
Un loup affamé, il va nous bouffer. Gueye Salah n'est pas l'ami du peuple, sinon il aurait été depuis maintenant des années et des années et des années. Ce n'est pas déjà le cas. Gueye Salah, il n'est pas l'ami du peuple. Mm-hmm. Il est l'ennemi du peuple, l'ennemi de la patrie, l'ennemi de l'Algérie, l'ennemi de l'institution militaire. Justement, on a un petit graphique sur Gueye Salah et sur ses déclarations. Abdallah, est-ce qu'on peut voir ça? وفي هذا السياق لو بد من إشارة إلا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حد لما يحاول إطالة أمادي هذه الأزمة والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة Fatah Tetouche, toujours avec nous normalement. Fatah Tetouche, revenons un peu aux déclarations, ou restons dans les déclarations de Gueye Salah. Quand il parle de désordre, il parle de fawda, il parle d'infiltration, il parle de beaucoup de choses, des revendications aussi non raisonnables. De quoi il parlait au juste? C'est quoi ce genre de revendications? Le peuple algérien ne demande pas la lune aujourd'hui. Il demande la démocratie, il demande la transparence dans la gestion, il demande le départ de ces têtes de corruption et du pouvoir actuel. En fait, globalement, Gueye Salah nous montre qu'il n'est rien d'autre que le porte-parole du régime. Dans son discours, dans sa façon de parler... Mais ça, le peuple l'a bien compris. Hein. Dans sa façon de s'adresser, il n'y a rien qui ait changé. On est toujours dans les mêmes pratiques du régime. Si je peux reprendre, alors, il filtre entre les revendications du peuple, donc Gueye Salah n'entend pas le peuple et n'entend pas que le premier slogan qui a été prononcé par le peuple algérien est « Jazayir Hurra Démocratia ». C'est-à-dire une revendication des libertés et une revendication de démocratie. Il confond les élections présidentielles avec le processus démocratique qui est une reconstruction de toutes les institutions démocratiques et une réappropriation de tout le processus démocratique qui ne se limite pas et qui ne peut pas se limiter à un scrutin. Puis, il distribue les bons points. Gueye Salah maintenant, et c'est là où il se confond avec l'État, où il va parler des Algériens qui seraient jaloux, nationalistes, jaloux de leur pays et responsables, et les autres, donc tous ceux qui ne rentrent pas dans sa feuille de route, seraient ceux qui vont chercher le chaos ou qui veulent déstabiliser le pays. Or, c'est le seul qui déstabilise le pays en fermant toutes les portes et en n'ouvrant pas la porte, la seule porte que tout le monde ouvre. Là où il y a le consensus large, c'est-à-dire aller vers une véritable période de transition vers un État démocratique. Gueye Salah aussi montre une inculture politique quand il considère, d'abord quand il parle de vide constitutionnel, ce mot-là qu'il a inventé n'existe pas en réalité. Alors s'il veut parler de la continuité de l'État, je pense que tous les acteurs politiques
sont responsables et parlent tous de la continuité de l'État et de la nécessité de la continuité de l'État. Mais Gaït Salah, on doit lui apprendre que nous ne sommes pas le seul pays qui va aller d'un système autoritaire vers un système démocratique. Il y a eu des transitions démocratiques dans le monde. Il y a de nombreuses transitions démocratiques dans le monde. Elles n'ont pas débouché vers le chaos qu'il décrit. Puis, il parle d'infiltration. Mais qui infiltre les manifestations ? Qui infiltre les manifestations ? Est-ce que les infiltrations des manifestations ne sont pas les tifos, par exemple, qu'on a descendus à Constantine ? Les nombreux tifos qui ne soutiennent pas l'institution militaire, mais soutiennent la personne de Gaït Salah. L'infiltration, elle est dans les réseaux sociaux avec les agents étrangers qu'il a payés, lui ou l'institution militaire, ou plus globalement le régime. Tous ces gens qui ne sont même pas des Algériens, qui sont des agents qui infiltrent et qui sont partout dans les réseaux sociaux, ce que nous appelons doubeble électronique. Oui. Donc, aussi, quand il parle, et là où c'est très grave, en fait, les propos qui sont un dérapage, là où il menace clairement tous ceux qui vont le critiquer en tant que responsable de l'institution militaire de complot contre la nation, et il leur promet l'incarcération. Là, on peut comprendre deux choses. On peut comprendre aussi qu'il s'adresse à des officiers de l'armée. On sait qu'il peut y avoir, ou on n'a aucun doute qu'il y ait beaucoup d'officiers de l'armée algérienne qui sont contre Gaït Salah, qui ne veulent pas de cet entêtement de Gaït Salah. Il les menace d'incarcération. Peut-être que dans les prochains jours à venir, il va reprendre le cycle des arrestations. Donc, on se retrouve aujourd'hui Il a même insulté le parcours militaire de ses officiers, justement. Exactement, où il traite tous ceux qui ne rentrent pas dans sa feuille de route de comploteurs contre la nation. Et il ne s'adresse pas que à des militaires, parce qu'il dit très clairement que tous ceux qui ne rentrent pas dans cette feuille de route sont des gens du pays. Fatah Titouche, est-ce que ce ne serait pas juste justement des déclarations, des propos à consommation rapide, c'est tout? Il sait que, enfin, c'est pour un peu noyer le poisson par rapport à tout ce qui se passe sérieusement dans le pays aujourd'hui. Je pense que Gaït Salah essaye aussi de maintenir une position qu'il a du mal à maintenir dans l'institution militaire elle-même. Je pense qu'il y a des officiers de l'armée algérienne populaire qui ne sont pas d'accord avec l'entêtement de Gaït Salah et qui veulent une issue politique. Et Gaït Salah les menace pour essayer de se maintenir dans cette position, lui et quelques généraux qui se sont accaparés de cette institution militaire qui est en réalité une institution populaire composée, il faut le rappeler, majoritairement d'appelés, c'est-à-dire de personnes comme nous tous, des frères à nous, qui sont là de passage dans cette institution militaire. Je pense que Gaït Salah et le régime vit ces derniers moments parce qu'un État ou un régime qui ne peut pas organiser des élections ne peut pas être un interlocuteur sérieux vis-à-vis de tous les autres pays qui se respectent. Je pense que Gaït Salah. Restez avec nous, Fatah Titouche, restez avec nous. L'Arbi Zouaimia est avec nous de nouveau. Monsieur Zouaimia. Hello. Oui. Monsieur Zouaimia, on vous écoute. Hein. Allez-y. انا والله ما نحبش نهضر على العسكر نعم on a un petit problème. Je suis vraiment désolé pour ce petit problème technique. Ça arrive. Hein. Bien sûr. Ça arrive. C'est les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct, c'est vrai. Alors, comme vous disiez justement tout à l'heure, Ammar Ghoul, Ammar Abn Younes et beaucoup d'autres qui vont arriver justement ont salué le discours de Gaït Salah. Excusez-moi. Par contre, ces étudiants qui se font tabasser aujourd'hui, aucune déclaration de la part de ces partis politiques. Ben, c'est ça où le bas blesse. Mmh. Le bas blesse, c'est que ces écuries
Ces écuries. On me dit que c'est bon avec Zouaïmi. Hein. Excusez-moi. Monsieur Zouaïmi. Monsieur Zouaïmi. Monsieur Zouaïmi. Alors, on a semé au fric. Pardon, je m'excuse. Il y avait un problème de son avec votre. Avec... En tout cas. Pour récapituler, on ne veut pas aller un petit peu, on ne va pas aller un petit peu dans certaines considérations qui peuvent apporter peut-être un préjudice au débat. Un homme n'a pas le droit. Oui. Ou un homme n'a pas le général qui te ferme avec le Gaïd Salih ou là. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il y a le Gaïd Salih. Le Gaïd Salih est la partie visible que Mahnes ou le Mahnes, je ne veux pas. Il est hors de question qu'on porte le débat à l'intérieur de l'institution militaire. L'institution militaire reste une institution militaire. L'armée, c'est pas une association de philatélistes. Voilà. Donc pour nous, il y a quelqu'un qui représente, qui parle au nom de l'armée. On s'en tient à cette personne-là. Voilà. Maintenant, il nous casse les pieds à l'IMF, la métaphysique constitutionnelle. C'est comme si, avant, il y avait un régime à Andou une parenté. Il y avait l'auberge espagnole, c'était la débandade dans ce pays. Là, l'auberge espagnole, le Gaïd lui-même avait un étage, il occupait un pavillon. Il était de bonne intelligence avec ces gens-là. Maintenant, la nécessité pour ce pays-là, pour se stabiliser, il faut une phase transitoire. Nous avons vécu la débandade, des turbulences gravissimes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan, sur tous les plans. On a vu ça et maintenant c'est primordial, c'est sine qua non à ce que le pays essaie de respirer. Respirer, ça sous-entend quoi? Sur le plan méthodologique, ça sous-entend faire une halte constitutionnelle, faire une halte politique, faire une halte de gestion dans ce pays-là, essayer d'évaluer, essayer de stabiliser, essayer d'organiser, remodeler le débat, aller en profondeur, permettre à une nouvelle dynamique politique et médiatique d'émerger, envie d'aller en profondeur encore vers les bases et vers ce qu'on appelle la masse de base, afin d'aller vers une autre école. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes dirigés par des ignorants. Voilà. Le régime se recycle. Et c'est l'ignorance, c'est la tyrannie de l'ignorance. La phase transitoire dans un pays comme l'Algérie est indispensable. Ceux qui ne veulent pas de la phase transitoire, et je répète, parce que chaque fois il nous fait souffrir avec sa métaphysique constitutionnelle, c'est elle est nulle déjà. Nous essayons de convaincre les gens. Nous débattons avec le peuple algérien, avec la jeunesse algérienne. Ça ne nous intéresse pas, ce monsieur. Nous expliquons à ces gens-là que Marhala Intiqaliya Fil Bled, Hiya Dawa, c'est le médicament, c'est le remède, l'ilesmicone actuellement. Parce que nous avons été poussés dans une accélération rentière, infantiliste. C'est l'infantilisation de la politique qu'on a vécue. Il y avait des grands problèmes, il y avait des meurtres, il y avait des génocides, il y avait Sarka, il y avait Tcharaïmit, il y avait Ibsmo. On ne peut pas amener le pays, le pousser encore vers ce moulin de la rente. Et c'est pour cela que c'est dangereux. C'est dangereux à ce qu'on continue de cette manière-là. Nous savons pertinemment que le Gaïd Salih représente une frange d'affairistes et de rentiers. C'est ce qu'on appelle une rente qui s'est coupée en deux. Et voilà, il se présente maintenant en redresseur d'État. Il est refusé. Et je me tiens à ça. Il est refusé. Pour moi, me concernant, c'est le mal encore qui vient de surgir. Le Gaïd Salih est en train de programmer des crises gravissimes au pays. Il doit comprendre une fois pour toutes qu'il aura chef la masalahu de négocier avec un conseil présidentiel. Et c'est comme ça la géométrie. Et c'est comme ça l'équation. Et on ne va pas passer notre vie à parler. Il faut un conseil présidentiel maintenant, pas demain, qu'il prenne les choses en main, qui a la même autorité d'un président de la République, avec un gouvernement solide, un gouvernement intrépide,
Algériens. Tous les Algériens, quel que soit leur affect, culture, qu'ils soient ou qu'ils seront conviés à participer à ce débat politique et à ces élections-là. C'est cette méthodologie, c'est ce topo, c'est ce credo qu'il faut emprunter pour sauver notre pays. Sinon, le recyclage d'un concert peut nous amener vers des situations calamiteuses, néfastes, funestes. Et c'est ça mon explication. Le monsieur Havelgay Falah, l'Azmifem, il est en train de recycler des bandits, toutes sortes d'arrivistes, toutes sortes de voleurs encore, qui sont en train de changer de siège et qui se reconnaissent maintenant. Et vous avez une télévision publique qui illustre à merveille ces bandits, ces nouveaux bandits qui ont jeté le drapeau de Bouteflika pour prendre les standards de Gaïssal. Voilà cette explication socio-pédagogique qu'il va falloir s'en tenir. Donc, c'est le remède. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On fait une halte, nous avons passé par différentes phases de désastre, de turbulence. Il y avait des drames en Algérie. Il y avait un effondrement politique. Il y avait vraiment une mise en capilotade médiatique qui a fait sortir l'énergie des bourricots des plateaux. Et il va falloir aussi trouver cette solution. Justement, monsieur Zouaïmia, comment aller vers cette solution? Même le peuple aujourd'hui, moi je reviens de l'Algérie, tout le monde se pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comment justement, c'est quoi le chemin pour arriver à ces solutions que vous venez juste d'énumérer? Lui, il ne veut pas écouter le peuple. C'est tout. Les gens cessent de parler. Nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Même pour demander un verre d'eau, il faut aussi phrases. Nous parlons beaucoup. La faisabilité, le kizako. Le Kizako, c'est facile. Maintenant, on ne va pas passer notre vie à évaluer les gens et à donner des bulletins de notes. Il y a un chi. Il y a un conseil présidentiel. Trois personnes. On ne va passer notre vie encore à discuter des personnes. Le premier qui dit les trois noms, on est preneur. Et ces trois personnes qui représenteront le conseil présidentiel, monsieur là-bas, ou monsieur le quartier libre, là, on peut jouer comme on veut, un conseil présidentiel solide qui va nommer un gouvernement. Maintenant, le problème, c'est que ce qui est sale, remettre les clés et s'éclipse, c'est tout. Mais Zouaïmia, les trois personnes existent et beaucoup plus même qui se proposent, que la rue a proposé. Mais on a vu justement Gaïd Salah dans sa déclaration de ce matin. Il parle Riyab Sharsiyat ou Nukhab An al-Ahdath, l'absence des personnalités, de l'élite, de ce qui se passe en Algérie. Quel profil chercherait-il, yani Gaïd Salah? Je connais Habou. Parce que lui, l'aiguille ou l'horloge terre, ce sont ces gens qui lui ressemblent. Nous, on ne fait pas partie du monde de Gaïd Salah. On fait partie de notre monde, d'une autre école, d'une autre méthodologie. Nous avons des éléments comparatifs. Nous vivons à l'étranger, nous connaissons la politique, nous avons une idée sur l'économie, nous avons une idée sur la relance économique. Nous on n'appartient pas au monde de Gaïd Salah. Gaïd Salah, c'est l'archéologie. Nous parlons comme le langage, nous tissons des liens sincères avec les citoyens en fonction de ce
milliards dans la mosquée. Nous avons perdu 3 milliards dans le Nakhl al-Bahri. Nous avons perdu quelques 5 milliards dans l'agriculture. Nous avons perdu encore, je suis confiant, dans les voitures, l'industrie des voitures. On a importé 650 000 voitures, mais on ne s'en fait pas. C'est ça l'hémorragie par laquelle on est passé. Les gens, mais on avait vraiment la situation. Mais pour redresser ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous estimons qu'actuellement, pour qu'on puisse régler tous les problèmes de tous les Algériens, mais que ce banditisme soit recyclé en Tarek Sidala et ses émules, c'est hors de question. Nous continuons. Merci, M. Zouaimia. Restez avec nous. Restez avec nous, M. Larbi Zouaimia. Saïd Aknin. Monsieur Zouaimia, il est vraiment ça à fond. Vraiment plaisir ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est cet amour justement du pays qui fait rêver tout le monde. Sinon, Monsieur Mohamed Jemaï du FLN a fait une déclaration aujourd'hui et a dit nous sommes contre la transition. Hussein, je t'apprécie beaucoup, Allah. Soyons sérieux. Mm-hmm. Ne parlons plus. Non, mais c'est une donnée politique. Jemaï du FLN, il dit nous sommes contre la transition. Si, attends, je vais finir alors. Amar Abn Younes, pareil. Amar Roul, pareil. Il faut que les Algériens qui nous regardent comprennent une chose. Ce n'est pas une donnée politique, c'est une donnée mafieuse. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a jamais eu de politique au FLN. Il n'y a jamais Sauf que moi, dans ce rôle ici, je dois... Exactement, oui, voilà. je te comprends aisément. Je te comprends aisément, mais simplement, c'est juste qualifier les choses. J'ai l'habitude de dire que la première des corruptions, c'est la corruption du langage. Françoise Dolto. Absolument. Utilisons les mots qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est quand il nous disait que Bouteflika était président, je disais non, il est chef d'État. Il n'a jamais été élu, il a été désigné. C'est comme quand on dit Gaid Saleh est vice-ministre, je dis non. Il n'est pas vice-ministre, il est squatteur de poste parce qu'il est désigné par un cadre et le cadre, paraît-il, quand il l'a désigné, il ne pouvait même pas respirer. Sinon, comment avancer justement? Parce qu'on va... Si ces gens-là... Parce que les Algériens, quand ils voient ça, quand ils écoutent ça, c'est que le pouvoir est toujours là. La Isaba est toujours là. Les mêmes sont toujours là. C'est eux qui tiennent la route. Exactement. Vous savez, il faut de la responsabilité, de sabre. Nous sommes au mois de Karim. Osta'inu bis sabri wa salati inna li kabiratun illa ala al-khashi'in. Sabre. C'est la résistance. Il faut y aller doucement. Pourquoi? Parce que Gaid Saleh, qui est en train de parler, en réalité, ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas peur à ce qu'il y ait de la transition. Ils ont peur à ce qu'il y ait la séparation du pouvoir entre le politique et le militaire. Voici ce dont a peur Gaid Saleh. Gaid Saleh, il a peur à ce que le budget de l'armée soit décidé par le politique, contrôlé par le politique, suivi par le politique, et qu'il va rendre des comptes aux politiques. Gaid Saleh, il a peur à ce que les grandes décisions vont être associées à titre consultatif, mais elles vont être prises par des politiques. Donc c'est un changement de paradigme auquel, ni en matière de prédisposition intellectuelle, ni en matière d'âge, ni en matière... Vous savez, quand on joue les mots fléchis, quand on est dans le monde, on dit il est in. Quand on dit il n'est pas dans le monde, on dit il est out. Donc, aujourd'hui, Gaid Saleh, il est out du monde du peuple algérien. Il est hors cadre du monde du peuple algérien. Et quand on dit qu'est-ce qu'il y a, la période de transition, bien sûr que dans les années 90, il y a certains qui nous disaient on n'avait pas besoin de la période de transition. Il y en a d'autres qui nous disaient entre 94 et 95 et 97, c'est ça la période de transition. Et quand on dit on est contre la transition, c'est qu'on donc qui tue ça à l'armée, c'est que faites ce que vous voulez. C'est qu'on est contre le peuple. Oui, absolument. Ce qui est clair, c'est que le peuple aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? C'est très simple. On était dans un régime mafieux, dictatorial, militaire, tout ce qu'on veut. Il faut passer vers un régime démocratique. Jazair Huria, démocratie, c'est ça. C'est passer du point A au point B. Pour pouvoir passer du point A au point B, on ne va pas sauter. C'est pas un truc. Il faut une transition. Et cette transition, chacun la voit à sa manière. Et là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Oui, mais déjà, lui, il est en train de dire qu'il n'y a pas de proposition. Il y a énormément d'initiatives qui sont présentées. Mais bien sûr qu'il va dire qu'il n'y a pas
pas de proposition. Il est dans son rôle, il n'a rien vu. Lui, il veut rester dans la situation de son confort où il touche 10% des commissions et des rétrocommissions sur les 200 milliards d'achats d'armement dans une guerre fictive. Et que pour certains parmi eux, ils vont faire de. Ils vont cacher cet argent, soit l'Imarat, soit Ferenza, soit l'Ingilterra, soit le Bouldan Kharijia. Et cet argent ne va pas travailler l'intérêt du peuple, mais il va travailler l'intérêt d'autres pays, c'est-à-dire leur chef à l'étranger. Maintenant, effectivement, nous avons l'habitude de penser personne, de dire mais qui va représenter. Non, pensons d'abord le projet Algérie. Quel projet pour quel pays? Mais avant aussi de penser quel projet, et avant de penser personne, j'ai l'habitude de dire, moi c'est Saïd Hakni, décortiquer ma vie depuis ma naissance à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? L'école primaire, le collège, où est-ce que j'ai travaillé? Ma déclaration d'impôt, est-ce que j'ai réellement travaillé? Est-ce que c'est la politique qui m'a fait vivre? Quelles sont les relations avec le DRS? Quelles sont mes relations avec le pouvoir? Quelles sont mes relations avec le Parlement? Est-ce que c'est comme ça une charte éthique? On va définir une charte éthique et puis par la suite, à travers cette charte éthique et le projet, les personnes portent peu. On aura 5 personnes pour faire de la politique. Les personnes portent peu. On aura 5 ou on aura 2 ou on aura 2000. Je préfère 5 de valables que 2000 qui ne sont pas valables. Je préfère 5 qui auront de l'honneur et de la dignité, qui sont propres, qui ont de l'éthique, qui ont de l'éthique, que 2650 qui se sont corrompus avec le régime. Voici le plus important. Mais avant tout, les solutions, elles existent. Il faut créer maintenant des pôles de convergence d'idées. Il faut qu'il y ait des circulations d'idées. Les pôles de convergence, j'ai vu l'initiative de la société civile et des syndicats. Il y a des partis politiques qui appellent à des initiatives. Il y a des jeunes qui sont porteurs. Il y a des personnalités portées. Il y a des professeurs. Il y a des jeunes. Il en fait partie. Oui. Abdou, il en fait partie. Oui. Chinna, il en fait partie. Tahar Sissirir, il en fait partie. Fanines, il en fait partie. Mouhia Aqib, il en fait partie. Mohamed Haddadou, Abdelrahim. Rien que Salih Hijab, rien que là, je peux citer 10 000 personnes qui sont capables et qui sont porteurs de projets. Il faut qu'on avance un petit peu, Saïd. On a quelques soundbites justement à regarder ensemble. Wakhila, on va revenir au sujet des étudiants qui se sont fait tabasser aujourd'hui. Regardons ces images. انا صايمين حسبنا الله ونعم الوكيل وما راناش حابسين ما راناش حابسين ما راناش حابسين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كيفاش جبتوهم ما كاش الرحمه ما كاش انواع القمع حنا كنا بسلميه حنا كنا قاعدين بداو يطبعوا فينا ويضربوا فينا وكملوها بالايموجي اختي انا ما عنديش مرض بصح واحد ايموجي الواحد عنده مرض وعلاش C'est quoi votre avis concernant les élections présidentielles? Avec nous, justement, une étudiante depuis Alger, Shayma Salmi. Shayma Salmi, bonsoir. Marhaba bik. Masa al-khair. Shayma Salmi, hakina chouya wach sara lyoum fil Dzaïr, waqila darboukoum, ou ma khlaoukoumch tronchou la grande poste, comme d'habitude, ou ma kharjouna di'aïa bli qalk les escaliers hadouk raihini tayhou, les fissurés, ou gaïm machaki. اليوم كنا رايحين لقسم الحكومة. نعم. في الطريق القصر الحكومة كانوا بدأوا يديروا لنا حوادث أمنية.
نعم في كل ما كنا نتلاقاو شويه كانوا كاين حد امني بصح شغل تجاوزوا الطلبه، مي كي لحقنا الفوق عند عند قطر الحكومه بداو يضربوا، كانوا جماعه فوق وجماعه لتحت ونحاصروا هنا وبداو يضربوا. نعم اسكو كانوا دي بليسي كاين؟ كانوا كاينين كانوا كاين اسعافات تما اللي الحمد لله مي ماشي غاب، وكانوا كان يعتقلوا بزاف طلبه، كانوا يعتقلوا قدامنا واحد ثلاث بنات شيماء قولي لنا حاجه على العزيمه نتاعكم هذه، يعني الله يبارك فيكم فولاذيه يعني، والمطالب نتاعكم وراكم رايحين. يعني هما كيما اليوم هذاك القمع اللي كانوا يديروا فيه ولا كان يزيد يحفز في الطلبه باش يزيدوا يخرجوا باش يزيدوا يبقاو باش يزيدوا، كل ما كنا نعيو شويه كانوا يزيدوا يخلونا نزيدوا نصمدوا ونثبتوا على على المطالب اللي رانا حابينهم. بالنسبه للمطالب اللي هي من كما كان الشعب رحب، لا بدوي لا بن صالح لا القايد صالح، لانه كان من جزء من النظام الفاسد اللي خرجنا في 22 فبراير باش نخرجوه، كامل من اجل جزائر حره ديمقراطيه ودوله مدنيه ماشي عسكريه، اللي يكون فيها الاساس هي الحريه والعدل والمساواه. نعم نعم شيماء انا معك. جوستومون اليوم شفنا يعني طالب جامعنا طالب من تلمسان وقال بانه المسيره نتاع اليوم كانت جواب لقايد صالح يعني للتصريحات نتاعو امس. شيماء انا معك تفضلي. ما فهمتش السؤال. قلت لك المسيره نتاع اليوم طالب من ولايه تلمسان قالنا بانها كانت جواب لتصريحات قايد صالح امس واليوم. بالطبع لانه هو كان يقول قايد صالح انه غياب النخب وغياب ما كانش نخب سياسيه وما لازم تكون فينا مرحله لازم انتخابات. نعم. واليوم الطلبه ردوا عليه انه ما كانش انتخابات، اليوم 4 جويلية كاينه مسيره، مازال الطلبة رافضين هذه الانتخابات ورافضين الحلول اللي قدمها القايد صالح كامل، ثم كان جواب كامل للخطاب تاع القايد صالح اللي قدمه. شكرا شيماء سالمي، كنت معنا من الجزائر العاصمة طالبة في جامعة الجزائر لافاك سنترال أظن. شكرا. فتح تيتوش توجور افيك نو. Fatah Tetouch, justement, quand on entend des étudiants comme ça, de telles déclarations, de telles sagesse et d'engagement politique aussi en même temps, dans leurs réponses et à Gaïd Salah et à leurs concitoyens, les Algériens, qui sortent mardi ou chaque vendredi, quelle est votre réaction? Ben, on dit que l'Algérie va bien, finalement, que l'Algérie n'a pas sombré, malgré toutes les tentatives du régime à abrutir le peuple, à réduire le peuple ou les Algériennes et les Algériens à des sujets. On a des citoyens à part entière qui revendiquent leur droit dans ce pays à s'exprimer, à s'organiser, à faire leur devoir. Et il faut aussi, Hussein, dénoncer parce qu'il y a eu des arrestations. On a des étudiants. Oui, pour rappeler la nature de ce régime-là, la nature de ce chef d'état-major et de sa façon de voir, en fait, la démocratie. Il faut le rappeler parce que ces étudiants, il faut aussi montrer toute notre solidarité avec les étudiants, leur exprimer que ces arrestations ne sont que le sacrifice finalement pour eux déjà, pour leur avenir, pour qu'on puisse enfin aborder les chantiers essentiels de la refondation de cet État, dont fait partie l'école et l'université algérienne qui, à cause de ce régime-là, fait partie un peu des dernières universités. Ils sont lésés en tout, on était passé par ce stade-là d'étudiants, ils sont lésés partout, dans les moyens qui sont mis à leur disposition, dans la qualité de l'enseignement, dans la qualité des stages. Mais Fatah, Tetouche, ma question a été beaucoup plus par rapport à ce que disait Gaïd Salah en même temps. C'est dire que, ou nier l'existence de l'élite politique et des étudiants d'une telle intelligence ou engagement citoyen,
C'est quand même un peu trop, non? Non, l'élite que cherche Gaït Salah, elle n'existe pas beaucoup. Hein. L'élite de Gaït Salah, c'est, ah, oui. c'est ces gens-là qui vont le soutenir. C'est ces gens qui vont soutenir le régime, qui ont gravité autour du régime, qui maintenant essayent de se trouver une fuite, de se trouver une place quelque part à l'abri. Mais la vraie élite algérienne, mais on déborde de ces compétences-là, de ces énergies. L'Algérie déborde de ces énergies-là. Ils existent partout. Ils proposent tous les jours des solutions, des initiatives. Ils sont sur le terrain. Ils sont dans la production. Ils sont partout. Mais cette élite-là, bien sûr, Gaït Salah, comme il n'entend pas les revendications, il ne voit pas aussi toute cette élite-là. Elle ne l'intéresse pas. Fatah, une dernière question. Mansif Marzouk, l'ex-président tunisien, a déclaré aujourd'hui que le régime algérien déchu a soutenu la contre-révolution en Tunisie. C'est normal quand on voit comment ça se passe la contre-révolution en Algérie. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Oui, et il a raison. Et il y a eu une contre-révolution en Tunisie et il faut la souligner, il faut l'étudier, il faut la voir de très près. Parce qu'on aura cette contre-révolution en Algérie, même pendant la période de transition, c'est-à-dire avec la chute du régime, il y aura une contre-révolution à laquelle il faut se préparer. Et il a raison de le dire parce que c'était vrai. C'était effectivement vrai avec tout ce qui s'est passé en Tunisie, avec toutes les tentatives de déstabilisation, avec la mainmise de quelques... Les Tunisiens ont fait une erreur de laisser quelques symboles du régime tunisien dans des postes clés, ce qui a créé, juste à titre d'exemple, le ministre de l'Intérieur qui ne faisait pas partie des symboles du régime. De la contre-révolution en Algérie, du bubble électronique. Mais ça, c'est pas encore la contre-révolution, ça, c'est la résistance du régime comme ils peuvent. Mais il va y avoir une contre-révolution beaucoup plus puissante que ça. J'entends les oligarques. Tous les oligarques algériens ne vont pas se laisser faire comme ça. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, quand ils ont augmenté les prix pour déstabiliser le processus économique et porter un coup au processus constituant qui s'est déroulé en Tunisie. Ça, c'est un détail important auquel il faut apporter des réponses techniques, des réponses précises. Par rapport à ça, il faut... Merci Fatah Tetouch, Yatik Saha, une prochaine fois, Inch'Allah, et Saha Ftourek. Avec nous, Ahsen Moussi, on me dit par téléphone. Ahsen Moussi, marahba bek. Ahsen Moussi, est avec nous. Ahsen Moussi, allô. Oui, vous m'écoutez, Hussein? Oui. Ah, 5 oui, sur 5. Oui. Voilà, donc bonjour à toi et puis bonjour à notre ami Saïd, je suis content de l'écouter, j'ai vu passer aussi l'Arabie Zouani que je salue bien et tous les Algériens aussi. Bonjour à tous. Bonjour, marahba bik. Hussein Moussi. Oui, Hussein Moussi, on vous écoute. Hussein, moi je voulais juste dire quelque chose là, nous n'avons pas à nous inquiéter, bien sûr que nous devons rester vigilants, mais sans inquiétude aucune. Nous irons jusqu'au bout et nous triompherons. Le peuple algérien l'a démontré, il est là, il est constant, il est bien organisé, à l'opposition de ce que pense Gaït Salah qui nous prend pour des gens non organisés, anarchiques. Là, il est à côté de la plaque. Quand il est dans sa logique, je persiste que si aujourd'hui nous allons jusqu'au bout, nous sommes condamnés à passer par cette période de transition. S'il l'accepte, s'il ne l'accepte pas le pouvoir en place, nous passerons par cette période de transition qui est plus que nécessaire à Hussein pour repenser aujourd'hui nos plaies, pour nous calmer un peu par rapport à toute la pression que le pouvoir mafieux de chez nous a exercé sur nous, sur le peuple bien sûr. Le peuple a encore de l'énergie à Hussein. C'est ça que je vous disais, il ne faut pas qu'on s'inquiète parce que j'écoute par-ci par-là des gens quelque peu... ayant peur des coups, on va recevoir des coups. Manège, le pouvoir est ainsi fait. Il était comme cela depuis 102, il le demeurera. Et le peuple résiste, bien qu'il a l'arme la plus importante aujourd'hui. C'est cela qui nous rend la confiance, qui nous donne de la joie. C'est quoi cette arme, Hussein? C'est une arme qui peut descendre n'importe quelle dictature. C'est cette unité. Cette grande unité que ce peuple a réussi à définitivement construire, il l'a construite, cette arme.
Merci, Hassan Moussa. Je continue. Deux mots pour finir. Oui. C'est ça l'arme qui fait peur au pouvoir aujourd'hui, à Gaïd, à toute la meute autour de lui. Donc c'est logique que Gaïd ait peur, que Ben Salah ait peur, que Bedoui ait peur. Ils ont peur parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Ils ont volé, ils ont détourné, ils ont squatté, ils ont torturé. C'est ça la raison pour laquelle ils persistent et s'ils continuent à vouloir nous mener vers une élection bidon, une élection qui va nous créer d'autres problèmes pour reconduire encore le bouteflikisme. Non, nous ne voulons pas de cette élection. Le peuple est conscient et conscientisé et nous irons jusqu'au bout, inchallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. A'tik saha, Hassan Moussi, saha ftourak. Salim min Paris. Salim de Paris. Salim. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est juste pour juste un aperçu. Oui. C'est au sujet de la situation. Ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de solutions, aucune porte de sortie. La mafia, pour juger une autre mafia, ça n'existe pas même, cette dernière. Leurs jours sont comptés. Bientôt, ils vont en rendre compte. Dans le premier, ce sera Gaïd Salah. Oui. Très bientôt, ils vont en rendre compte. وفيك بارك سليم ما عطيك صحة صحة فطورك اسكو العربي زويميا ايت افيك نو مسيو زويميا مسيو زويميا نو ساي وي vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que disait il y a juste une petite observation les quatre structures de mafia c'est-à-dire qu'on peut appeler vulgairement partis politiques oui. qui ont soutenu la momie Actuellement, ils soutiennent, ça veut dire, l'Isaba, elle avait changé juste de tête. Oui. Mais le système et le régime est, la même chose. Sinon, aujourd'hui, les étudiants, oui. les étudiants, ils ont donné l'aperçu de ce que va être l'Algérie de demain. L'Algérie de demain, ils l'ont chanté à travers leur slogan en disant « Jazair Hurra Demokratia, c'est de A ». Ils ont dit… Jumhuriya machi kazerna. Nous voulons construire une république et non pas construire, être dans une caserne militaire. Ils ont dit Dawla madaniya machi askariya. Un état civil et non pas un état militaire tel qu'aujourd'hui. Regardez que dans sa lettre, Gaïd Salah, il dit on a jugé. Qui es-tu pour juger ? Chkoun enta bach tahkem ? Tahkem alayk chkoun ? Pourquoi aujourd'hui Boucherib, il est en Libye il est dans un autre pays hors que l'Algérie. Pourquoi que, c'est-à-dire c'est une lutte clanique. Il y a un clan, ils ont enlevé un clan, maintenant il y a un autre clan, mais toujours dans l'exclusion du peuple. Je reviens, Saïd. Avec nous, l'Arabi Zouaimia. Monsieur Zouaimia, donc les étudiants... les étudiants qui parlent d'une Algérie de demain, les étudiants qui scandent des slogans, bien sûr, hostile au régime, mais à toute l'Isaba, comme les appelle Gaïd Salah, ces étudiants qui parlent de Gaïd Salah, enfin même de l'ingérence politique, ils disent « La Washington, la Paris, nahnu nakhtar ra'is », ces étudiants gênent et dérangent aujourd'hui, justement, la caste qui gère le pays aujourd'hui. Oui, Bon, c'est clair les attentes des étudiants et du peuple algérien en général. Ça, c'est clair. J'aimerais bien insister, tout simplement, oui. sur le plan de la discipline d'un débat. C'est qu'on essaye au maximum d'éviter le débat des généraux. Parce que c'est contre-productif. On ne va pas décapiter le Pentagone, non. Il y a un monsieur, c'est très simple, il y a un monsieur qui s'appelle Gaïd Salah. Oui. هذا السيد يحبس ما يديش السياسة وما يخطبش علينا. يسالنا. Il n'est pas plus algérien que nous, quand même. S'il veut faire de la politique, il enlève la casquette et la tenue militaire, pas plus simple que ça. Mais chaque mardi, il est en train de disserter علينا. Avec les divagations, je ne sais pas, Nukhba, ou Andik Nukhba, ou Sa'dani Nukhba, ou Jem'i Nukhba, c'est les associés Wak, c'est le Kayat Soufarmani. Subhanallah al-Azim. Donc, l'autre point, j'aimerais bien insister sur l'autre point. Oui. C'est qu'il y a un Chirac. Et j'imagine mal
y aura quelque chose d'autre ou la haja ضده à moins غير هذا سيدي صالح qui appelle au loup qui le syndrome du loup هاي مندسين هاي مندسين فاق بالناس كل مندسين هذوما فاق ديجا المندسين هذوما سي دي الجزائريين des étrangers c'est qui le mondesin c'est les neuf des algériens باش تمشي باش تهضر شكون انت c'est des algériens عندهم un avis contraire c'est des algériens vous êtes la police est responsable lorsque quelqu'un fait une infraction le juge est responsable lorsque quelqu'un fait une agression contre la loi c'est ça il y a pas autre chose si des algériens ont d'autres idées c'est leur affaire c'est des algériens le chemin, l'espace est limité et délimité, voilà. Il y a une expression d'Algérien dans la rue, il s'exprime. Il y a une majorité qui s'exprime contre ce pouvoir, tout simplement. L'autre chose, c'est que les gens actuellement qui sortent, certainement, mais il faut aller un petit peu vers des trucs méthodologiques. Les gens sont avides d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire comment régler? Il faut que ça se greffe dans l'imaginaire des gens, cette méthode-là, qui est, nous souffrons, nous avons souffert des régimes mafieux, il est temps un petit peu de mettre des pansements, de placer des pansements. Il faut que il faut qu'elle se repose un peu en vue de continuer le chemin. C'est ça, Avialism. Dis-moi, de façon à ce que les gens qu'on a plus clair, ou me dis le NTV avec Kimen Chouvelberg, avec trois abrutis, plus abrutis que tu meurs, en train de dire n'importe quoi, parce qu'ils font partie de la rente, et c'est des scrapins et des voleurs. Merci, l'arbitre. Il faut leur casser le débat, Swahili. Il faut, justement, nous sommes tous appelés maintenant, vous, moi, n'importe lequel, même si je m'énerve parce qu'à chaque fois, il fait des discours mardi. Ça m'énerve énormément. Ah oui, je comprends. J'estime nécessaire, indispensable, à ce que nous essayons, par l'instructif, d'expliquer aux gens la bonne méthode et pourquoi il faut qu'on ressemble aux citoyens dans ces problèmes. Et voilà, tous ces problèmes ne vont pas être réglés, mais nous devons emprunter son chemin en vue d'en finir et pour que ce pouvoir assassin, cette honte, ces voleurs, ces corrompus prennent leur congé définitif. Et voilà. Merci. يعطيك صحة monsieur l'Arbi Zouaimia. صحة فطورك. يعطيك صحة. سعيد أكلين un dernier mot. Donc, on a même vu aujourd'hui de belles images à Tizi Ouzou. Normalement, ils étaient en train de défiler. Tout à fait. Les avocats. Les avocats. Et les étudiants se sont croisés dans. Les avocats et les médecins, ainsi que les étudiants, se sont croisés à un certain moment. Il y avait une. Donc, le combat continue. Bien sûr. Mais avant ça, je dirais que nous ne sommes pas là pour décapiter personne. Oui, absolument. La force de l'armée algérienne, elle est nulle, son peuple. La plus grande force de l'Algérie, elle n'est autre que son peuple. Aujourd'hui, effectivement, parler de Gaïd Salah qui est là, qui est devenu omniscient médiatiquement pour nous ressasser à chaque fois l'impératif de changer dans le régime et non pas le régime. Les soutiens d'Ahmed Ouyahia, d'Amar Ibn Younes, de Roul et des autres à solution de Gaïd Salah prouve une chose, que l'Issaba n'a pas changé, elle a changé juste de tête. C'est pour cela qu'il faut continuer à lutter. Ce vendredi, à 16h, devant l'ambassade d'Algérie à Paris, les vendredis aussi en Algérie, les dimanches à Paris, le samedi en Suisse, et dans d'autres capitales, le dimanche au Canada et en Angleterre, et partout dans le monde, on doit se mobiliser jusqu'au départ de ce régime. Il est vrai qu'il y a Gaïd Salah qui parle, mais aussi il y a le commandement militaire. Et le commandement militaire n'est pas l'institution militaire. L'institution militaire, elle appartient au peuple. L'institution militaire, elle est à Rissana. C'est pas parce qu'on parle du commandement militaire qu'on décapite. On ne va pas nous accuser de je ne sais pas quoi. Le commandement militaire, oui, il y a une soixantaine ou 70 généraux qui prennent en otage l'institution militaire. Et quand on dit Gaïd Salah contre le peuple? Gaïd Salah contre le peuple, ça veut dire que c'est le commandement militaire qui est là. Et d'ailleurs, il n'a pas changé depuis 1962 à aujourd'hui. La sociologie du régime n'a pas changé depuis 1962 à aujourd'hui. Merci, Saïd Akhine. Et on va rester sur une seule chose qui est claire, qui est nette. Mais en roche alina, goulna blik, système dégage. Goulna blik, yirouhou ga. Goulna blik, itnahou ga. Goulna blik. Silmiya. Silmiya, hada makan. Ou khawa.
بيان خاوة خاوة ميرسي سعيد الجنود الجنود والشعب خاوة خاوة والقايد خاننا هكذا سيسك جستمون إيزون سكوندي سا ليزيتيديون أجوردوي الجيش الشعب خاوة خاوة القايد خاننا ميرسي سعيد أكنين ميرسي فتحي تيتوش ميرسي العربي زويمية ميرسي وزيتيديون إيسون لا عصام الأخضاري صهيب كيحل إي شيماء سلمي ميرسي أ تو الموند نقول لكم صحة فطوركم صحة سحوركم جو فوليس كومام افيك كيلكوز ايماج جوستومون سور اون سكيت سور كيلكو اون ان غرافيك سور قايد صالح صحة فطوركم بلا ما تغرامي عز دينا سينا صحة فطورك قيمة دي لهنا السلام عليكم